Le vieux, lance le son. Aboudjou, on t'écoute. Je me suis tenu ici ce soir devant vous. Tenu ou bien tenir? J'entends pas bien. Mais bref, continue. Tu t'es tenu ici pourquoi? Dans le but d'exercer ici. Dans le but d'exorcer. Tout est gâté. Tu es venu ici pour faire exercer la loi. Voilà. Donc tout ça, pour ça. Qui doit être jugé? C'est une gobaoulée. Une gobaoulée. Explique le problème. Mon frère. Qui est venu se chercher en Europe. Sa femme vient de le mettre dehors. Comment ça? C'est la championne de mousseuse. Petit. Continue. Depuis que le jeune il est en France, la gueule a pris comme son agent sexuel. C'est que lui, chaque soir, il doit mouguer au moins 3 coups. Ça fait combien de coups dans la semaine? Ça fait combien même? Fais 3 fois 7. Attendez, il y a calculé sur mon portable. Pas besoin de calculatrice, faut dire 21. 21? Voilà! Continue. Il était un peu gros comme cela. Il a maigri. Façon tu dis qu'il a maigri là. Tu es sûr que c'est pas de toi que tu parles? Hein? Je dis façon tu dis qu'il a maigri là. C'est pas de toi même que tu parles? Aboudjou, dis la vérité. Je vais rien te faire. Chaque jour, j'entends de mes moukous. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis fatigué. Donc, il s'agit de toi. Voilà. Donc, tu vis chez femme et puis tu penses que tu vas échapper à la chambre 144? Dans la chambre 144, la bougie que... Moi, je n'ai jamais su que les voleurs se comportaient comme cela. Déjà, tu dois lui être reconnaissant, hein. Tu vis chez elle. Je lui ai reconnaissant. Quoi? Je lui ai reconnaissant. Grand-père, tu as entendu? Voilà. Le père, tu as entendu? Je te jure. Déjà, dis-nous une chose. Tout ce qu'elle fait dans la chambre 144, tu n'aimes pas? Mais aïe. Réponds, tu n'aimes pas? Hey, y'all, come look at this. J'aime ça. Oh! Nous tous, on aime ça. Oh! Déjà, tu as menti qu'il s'agit de ton frère alors qu'il s'agissait de toi. Et donc, tu as menti à une autorité. Mais je vous demande pardon. Tu dois être puni. Adama. Adama n'est pas là pour te faire échapper à la chambre 144. Monsieur, retourne chez ta femme. Non. Non. Si tu ne veux pas que je te juge pour avoir menti, retourne chez ta femme. Il faut avoir pitié. Pitié pourquoi? Aucun homme n'a pu supporter. Quand il aimait, c'est ce qu'on était là? Non, non, non. Et pourquoi maintenant tu nous appelles? Bon. Retourne dans la chambre 144. Tu peux pas faire ça à un être humain. Retourne dans la chambre 144 ou bien je vais lui demander de t'emmener dans la chambre 266. Dans la chambre 144, la bougie que... Partagez. On est fini. Conga.